Vous entendez? Il est là. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour maîtresse. Bonjour maîtresse. Je vous en prie, avancez. Bonjour. Tout droit vers la salle de jeu. Bonjour les enfants, bonjour. Allez, on applaudit. Bonjour. Allez. Thank you.
des lapins. Hein. Bonjour, bonjour. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui. Bonjour maîtresse. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour maîtresse. Un peu tard. Qu'est-ce qu'ils ont l'air sages? Qu'est-ce que vous êtes sages les enfants? Vous avez bien travaillé ce matin? Oui. Finis.
l'histoire du Père Noël avec ses 10 chansons. Ah. On ne vous a pas appris une chanson, on vous a préparé un petit poème qu'ils ont mis en voix. Eh ben on va vous écouter les enfants. Je vous laisse vous installer au fond les enfants. Donc on a juste besoin de la participation de Saint-Nicolas pour faire le top du début. Je vais essayer. Oui. Est-ce Lénote qui a mis ses bottes? Ou encore Charlotte qui fait la saute? Ou bien le flopard qui fait couper le porc? Peut-être la marmotte avec des carottes? Non, 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 rien de cela! C'est Saint-Nicolas qui passe par ici! Aux grands, aux petits, s'ils sont bien gentils! Plein de chocolat! Ou brise! Bravo les enfants! Comment on fait? Les tourneries de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas habite tout là-haut, derrière les nuages, la lune et les étoiles. Chaque matin, Saint-Nicolas se brosse les dents, se lave, coiffe ses longs cheveux blancs et laisse sa belle barbe. Saint-Nicolas a beaucoup de travail. Ce soir, il doit distribuer tous les cadeaux aux enfants. Tout est prêt, son bel habit rouge, sa mitre et les cadeaux. Mais où est passé mon carnet d'adresse? Où se trouve ma liste de cadeaux? Il fouille dans tous les tiroirs de son bureau. Il cherche sur chaque planche de ses armoires. Il est de plus en plus énervé. Je ne les trouve pas. Il faut que je parte sans liste et sans carnet. Saint-Nicolas entasse ses jouets et friandises dans sa hotte. Il distribue tous les cadeaux dans chaque maison. Grand et petit, personne ne sera oublié. Content d'avoir fini, Saint-Nicolas rentre chez lui. Le matin du 6 décembre. Chacun propose des cadeaux dans ses maisons. Des rochers pour les grands-mères, des poupées pour les grands-pères, des électriques de maman, des sacs-fulles au papa, des autoradios pour les petites filles, des trousses de maquillage pour les petits garçons, des jeux de société pour les bébés. Tout le monde éclate de rire. Saint-Nicolas devient vraiment très vieux, il a tout embrouillé. Ce n'est pas grave, parents et enfants échangent des cadeaux. Des sacs-fulles, des trains électriques, des poupées aux enfants, des rochers aux bébés, des autoradios au papa, des trousses de maquillage pour les mamans, les jeux de société pour les grands-parents. De là-haut, la terre et les nuages, la lune et les étoiles, Saint-Nicolas vivent les voir ses heureux. Après
Parfois, cette longue journée, il est très fatigué. Il enfile son pyjama et se dit dans son lit. Devinez s'il trouve son oreiller, la liste des cadeaux et son carnet d'adresse. Bravo, les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Bonjour, bonjour. Dans la forêt blanche d'Ukraine, vit une blanche troïka. Dans le silence, elle promène petit Boris et Natacha. C'est bien ça. Bonjour maître. Il y a du boulot ici. C'est vrai? Ah ben voilà. C'est bien bruyant ici. Comment ça va les enfants? Oui. Vous avez bien travaillé aujourd'hui? Il y avait trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.
Du petit Salé, je vois voir plier cet tanque dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte, il s'enfuya. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner le champ. Ne t'en fie pas, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le saint étendit trois doigts, et les petits se lèvent tous les trois. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Calme dans cette école. J'ai pu te commander comme tous les enfants, des jouets parmi les gommes on fait tous les ans. Une épée, une raquette, une console, des BD, une tablette, des bricoles. J'aurais pu t'écrire en rose comme font les gamins et attendre que repose au pied du sapin des poignées attendues de cadeaux. Des paquets, beaucoup plus qu'il n'en faut. Si le bonheur appartient à qui fait des heureux, si c'est à la nuit, moi je lui apprends que le nécessaire, un coup de cœur, des choses à faire, à l'intérieur, le nécessaire, beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout le nécessaire, un coup de cœur. Aussi rapidement que Perpétua. Vive Nicolas, Virginia, Dira et Lys. Vive Arnaud, Raoul, Lys. Vive Francifal ou Chocolade. Comme Nicolas, comme. Vive Nicolas, Virginia, Dira et Lys. Bravo. On vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Saint-Nicolas et de très bonnes fêtes de Noël. Joyeux Noël.